Nadie, bonsoir à toutes et aux spectateurs qui branchent sur telle radio Télésolidarité pour garder jeudi encore un autre segment avec Dr. Makana qui c'est non seulement Zami nous, mais un médecin qui concerne non seulement de patients par lieu, mais de toute communauté en entier. Et Nadie, encore une fois, bienvenue à Dr. Sandra Makana. Bonsoir. Docteur Makana, encore une fois, juste rappeler le public là, qui est souillé et qui s'en fait dans la communauté. D'accord. Ok. Moi, comme vous mentionnez, c'est Docteur Sandra Makana. Moi, c'est un obstétricien gynécologue avec une spécialité en maternal fetal medicine. Ça veut dire moi qui prend soin de grossesse à risque élevé. Et puis, je travaille dans Maimonides Medical Center, qui est dans Borough Park. Côté, je suis vice-chairperson du département. Donc, je suis en charge du département avec Bosman, qui est chairman. Donc, je suis bien content avec moi, bien dit. Bon, docteur Makana, je vous dis à nous parler de ça, il est en anglais, premature labor. Ça veut dire mm-hmm. qui est, bon, peut-être qui est en grossesse, et puis. Les gains tranchés avant l'heure. C'est ça? Qui sont à définir de premature labor? D'accord. Alors, premature labor, c'est l'heure au monde qui est enceinte et d'ailleurs présentée avec douleur et avec dilatation colmatrice là, avant fin grossesse. Là. Donc, je rappelle publiquement qu'en grossesse, durée 280 jours, c'est vraiment 10 mois hein, à peu près. C'est 10 mois, 28 multiplié par 10, 280 jours à partir de dernière date règle en fille. Donc, un bébé capable d'être fait prématurément, c'est s'il fait entre 20 semaines et 36 semaines. Ça veut dire que s'il fait plus que 4 semaines avant, on a été plus que 4 semaines avant date côté pour maman t'es accouchée. Bon, en termes de monde qui est affecté par un problème, ça, qui statistique peut-être quand même bien? Son bail qui est assez, et bon, vous ne pouvez pas seulement intéressant au point de vue phénomène, mais c'est plutôt bail pour tout le monde qui connaît. Parce que donner naissance à un bébé prématuré, son désastre qui est. Parce qu'un bébé qui fait trois bonheurs, qui fait avant le lit, et pas commencer sous même pied avec notre petit bébé. Il a commencé d'ailleurs, il a un problème d'adaptation à l'environnement externe et un peu de fois, il a passé temps dans soins intensifs et puis il a affecté par un bon problème médical qui a des conséquences, non seulement pendant le petit bébé, mais même jusqu'à ce petit monde a commencé l'école et jusqu'à ce que le grand monde. Mais en nous comprendre, pour qui ça son phénomène qui n'est pas rare malheureusement. Dans Brooklyn, dernière statistique qui a montré que un bébé sur 10 bébés fait prématuré. Un sur 10. OK? Par exemple, dans les États-Unis, c'est plutôt 11%. Donc, c'est un peu plus qu'un bébé sur 10. En réalité, Brooklyn, t'auras un petit genre plus favorable. Mais ça qui est étonnant, c'est qu'aux États-Unis, qui ont payé développé, qui a un peu d'argent, côté nous dépenser dans le pays ici, qui a plus d'argent qui dépense sur causer santé, sur causer soins, sur l'hôpital, sur instruments, sur toute qualité de bagages modernes qui affectent la santé, que dans n'importe quel pays au monde. Nous dépenser 17% de gros, ça veut dire gross national product, nous, sur soins de santé avec équipement qui relate à la santé. Mais malgré tout, nous pas un peuple qui est en santé. Avec tout l'argent qui est dépensé. Par exemple, si nous comparons le taux de prématurité aux États-Unis, qui est 11,5% à peu près, à pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, qui ne sont pas des pays qui sont plus riches face à nous, il y a même peut-être à 6%. Donc, nous vraiment, il y a un pile travail qui peut faire dans le réseau Sahara, dans le domaine Sahara, pour diminuer le taux de prématurité dans les États-Unis, et particulièrement dans certains États, et particulièrement dans certaines communautés. Pour ne pas décourager trop, c'est pour me rappeler nous, pour nous que
pendant les 5 à 6 dernières années, taux a commencé à baisser. Ok, il baisse parce qu'il était qu'on a 12%, 12 presque 13% pour les statistiques les plus récentes montrer que quand, par exemple Brooklyn nous a 10,5%. Donc, on a fait un pile d'efforts sur un pile et mouvement au niveau de et santé publique et au niveau éducation, au niveau intervention. Il y a deux, trois bagages nouveaux qui paraissent qui pour non seulement aider que moins de filles fait bébé à trop bonheur, mais aussi que le petit bébé au fait pour une intervention appropriée pour aider eux, bien gang pour aider eux, moins malades, peut-être que conséquences que nous avons eu à venir manifester encore. Bon, il y a toujours dit dans la langue française que prévenir vaut mieux que guérir. Mm-hmm. Est-ce que il y a des mesures de prévention que la population est capable de prendre avant que les bagailles s'arrivent? C'est bon, c'est ça. Alors, un bagaille qui. Il y en a pour un bagaille, c'est pour nous au courant du fait que chaque fois qu'on est enceinte, il y a risque. Mais il y a des groupes qui a, pour qui le risque est beaucoup plus élevé. Donc, là on dit prévenir, vaut mieux que guérir, mais je voulais aussi mentionner que parmi tous ces bébés qui font prématuré, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui aurait les N12 ou bien, on ne va pas penser à moi en créole, iatrogenic, ça veut dire que c'est sous recommandation ou médecin ou sage-femme que naissance arrive avant l'heure. Parce que, ou bien parce que maman développe un problème sérieux, okay. Ou bien si bébé a développé un problème sérieux pendant l'enfantement, maman. Donc, c'est obligatoire pour accouchement en fait avant l'heure. Donc, et après, l'autre groupe qui, de petits bébés qui fait prématuré, c'est groupe côté fille n'a pas aucun contrôle. Ou bien, il commence à être tranché, personne n'a pas qu'à stopper douleur. Ou bien, et la poche des os, la fontaine de l'eau a rompu. Donc, il casse les os et puis après, ça a douleur commencé. Donc, dans la catégorie et récente, ça pas aucun contrôle. Juste pour aider nous situer, nous, parmi tout bébé qui fait prématuré, 30% du temps, c'est une cause pour ça. Ça veut dire que c'est sous recommandation ou bien médecin ou bien sage-femme. Parce que maman malade ou bien en danger, ou bébé en danger ou malade. 70% du temps, nous ne connaissons pas pour qui ça. Douleur commencé, des fois sans avertissement, et c'est bien fait. Donc, connaissant ceci, il y a un pile d'intervention qui vient de développer. Vous comprenez? Pour Bruno qui a parlé de. Une fois que les symptômes ont commencé, qui sent mon café pour aider bébé à pas malade le, à la naissance? Parce que, bon, c'est une un problème, il y a l'antibé fait trop bonheur, pour moi, pour préparer, pour respirer, pour contrôler, donc obligé de gagner oxygène, obligé de des fois, obligé de mettre des machines pour aider à respirer. Et il y a un pile système qui peut bien mature, par exemple, le système de la peau, qui protège nous contre l'infection. Et qui empêche nous déshydrater, donc c'est bébé fait avant l'heure, peau très fin, donc il perd, il vient déshydrater facile, il perd du sel, il perd du, il vient gagner ça, il est en balance d'électrolytes qui fait que l'obligé recevoir un pile support avec intraveineuse, etc. Système digestif là pour préparer, donc il va même qu'à manger vraiment, et puis donc intestin au convenir, comme malade, il peut convenir développer un bagage qui relève. Necrotizing enterocolitis, c'est la circulation sans vaisseau sanguin qui parle l'intestin, pas porter assez sang et puis l'intestin vient endommagé. Wow. Donc, obligé de voir ça, son complication très grave parce que c'est comme si vous avez un abcès en enfant. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais avant nous effrayer, c'est pour me dire que c'est pas tout petit bébé qui fait le prématuré qui a parlé de complications, ça. Ok. Niveau de complications avec sévérité complication, relaté directement et proportionnel à l'âge du bébé. Par exemple, nous disons qu'on possède durer 280 jours. Si vous comptez à partir du premier date grec que la fille a manqué. Premier date grec. Dernier date grec, pardon. Par exemple, si mettons que la fille a dit que le dernier date grec c'était le 1er octobre. Donc, 280 jours plus tard, c'est la date où tout le monde a accouché. Et pour le moment, a accouché, pardon. Donc, le plus que vous éloignez de date d'accouchement, le plus jeune, si bébé à pied, le plus chance pour gagner des complications assez sévères, qui peut faire très très malade, chance est beaucoup plus forte. S'il fait tout près d'Atlant, mettons à 4 semaines de date, à 4 à 5, entre 4 à 6 semaines de date d'accouchement, complications beaucoup plus modestes, pas aussi sévères.
Donc la plupart d'entre eux, ils survivent avec soins qui présentent qu'il y a un soin intensif, petit bébé, il y a la caillou, ils ont fonctionné, ils ont plus ou moins normalement leur arrivée à caillou. Donc gros challenge pour nous dans le système médical, c'est pour identifier et supporter petit bébé qui fait à sa nouvelle à moins que 30 semaines de grossesse. Ok. Bon. Ça vient me rappeler nous tout à partir du dernier segment que nous avons fait, nous avons écouté les femmes supposées chercher côté un médecin, chercher côté un obstétricien pour capable joindre soin médical. À la minute où on a find out que l'enceinte, bon, il est important pour capable joindre soin et pendant la grossesse. Mais tout faut nous bagaille bon, arriver quand même parce que en dépit de soins mon capable prendre parfois il est arrivé que il vient effectivement prématuré. So qui peut-être intervention que yo mon capable recevoir s'il présenté à ta conscience. C'est pas question yo vraiment à propos et même peut-être nous cas séparer en deux catégories. On nous pense à une fille qui est déjà enceinte, mettons sous à peu près 28-29 semaines, c'est-à-dire qu'il manque au moins 12 semaines pour vivre à date. Ok, donc c'est à il manque 12 semaines, il manque sous sixième, la fin du sixième mois, il commence à avoir douleur. Ça a passé. D'ailleurs, de plus en plus douleur sous enceinte, date pour arriver, c'est pour directement aller à l'hôpital. Pas besoin de nous répondre. Aller à l'hôpital, parce que aussitôt pour arriver dans salle dans section hôpital hein, qui est obstétrique, nous qui travaille là eux ils connaissent ils très au courant que l'homme qui a cet homme en vent date là en vent surtout plusieurs semaines avant date là que l'important que nous prenons soin de vous tout de suite il y a mettre son moniteur il y a pas avoir une contraction il y a poser question ouais qui j'ai ça qui type de douleur pour gagner et puis si nous vérifier que vraiment vous avez contraction bien avant l'heure bien avant l'accouchement que plusieurs remèdes il y a quelque chose en bas on remet du magnésium sulfate. Alors, segment ça peut être pas approprié pour nous découvrir donc qui ça remet dans fin mais très simplement son médicament que nous baou dans va pour souvent intraveineuse si médecin convaincu que ou gagne un symptôme de ça les premature labor, li protéger cervelle ti moun nan pendant le ventre qui fait que le ti moun en fait, il y a moins chance pour gagne beaucoup moins de chances pour lui donner un brain damage, parce que c'est un effet prématurité sévère, c'est brain damage avec ça, les cerebral palsy. Ok? La science montre que le magnésium sulfate là, réduit la chance pour un petit bébé qui fait très prématuré de développer cerebral palsy. Right? Qui est très utile. Donc, il y a au moins 10 ans que dans tout l'hôpital qui compte ça à faire, tout l'hôpital dans boucle, il y a sûr de ça, et partout d'ailleurs, depuis. Puis il y a une équipe d'obstétriciens qui pop avec ça la science samedi on peut recevoir magnésium sulfate si ou bien si vous manquez au moins 6 semaines avant date d'accouchement donc de 32 semaines jusqu'à 23 semaines on peut recevoir magnésium sulfate il y a pas un bagage les stéroïdes donc pas besoin peur mon stéroïdes hein? C'est une sorte de cortisone mais un cortisone spécial le baron intramusculairement deux doses qui pas fait qui pas endommager bébé qui va endommager maman c'est deux doses seulement et à 24 heures d'intervalle qui ça va ça lit forcer pour mon bébé à développer un petit plus vite ça c'est au cas où médecin pas qu'à arrêter douleur donc si tu bébé t'a fait prématurément que il pas autant de difficultés pour l'adapter à l'environnement externe. Ok, donc corticostéroïdes, donc cortisone et magnésium sulfate, il y a bon antibiotique tout pendant que vous écultez, vous make sure qu'on pas gagner en infection des voies urinaires parce que bah ça quand le infection des voies urinaires capable de douleur tout, faire vous penser que vous avez une contraction prématurée. Et puis il y a cas aussi il y a observer l'hôpital là pour au moins un ou deux jours. Ok. Est-ce qu'il y a des cas qui présentent côté que un médecin obligé de prendre une décision entre sauver la vie de mon enfant et sauver la vie de maman. Qui bon. Critère qui est établi pour nous? Bon, ça c'est un petit peu, ça passe un petit peu à côté sujet, même après pour nous brièvement. Bon, ça c'est pas, ça c'est c'est une phrase qu'un pile monde mentionné, même dans les médias, il a parlé de qui choisit un gagnant, qui choisit un médecin gagnant.
aux États-Unis, le code éthique apprend nous que vie maman plus important que vie n'importe qui petit bébé. Vie maman, c'est lui qui a priorité. Donc, si tu as un choix pour faire entre vie maman et vie bébé, nous-mêmes, comme ça nous est providers, que c'est médecin, que c'est sage-femme, c'est vie maman qui est priorité. Donc, c'est comme ça. Naturellement, nous n'avons pas le droit. Dans notre pays ici, toute fille, tout le monde, fille que garçon, ou bien autonomie ou indépendant. Si le médecin propose que c'est ça, que c'est vie qui est plus important, même si ça peut coûter la vie bébé, nous avons perdu maman, nous préférons perdre bébé que perdre maman. Donc, ça, c'est code éthique pour nous. Mais si fille a refusé, mettons, intervention, si on dit que c'est ça, pour faire les pavlés. Oh, et que peut-être que la saigne abondamment, il refuse de faire ses organes, etc. Nous pas qu'à forcer, ouais, ça c'est la tout dire salt, pour moi nous pas qu'à. Mais elle a toujours conseillé que si mon choix fait c'est maman d'abord. Okay. Nous, il y a deux trois cas où j'ai fait choix ça, c'est le gaffique, ça veut dire le flou. Vous connaissez bagaille influenza, le flou. Leur on finance le flou, ils viennent très malades parce que système immune. D'immunité en femme enceinte pas aussi fort que le système immunité en monde qui n'est pas enceinte. Donc, parce que peut-être en hiver, on a reparlé sur ça. Okay. Côté pour toute fille qui est enceinte, nous recommandons, même si vous n'avez pas pris un vaccin, c'est pour y avoir un flou vaccin pour se la protéger. Mais il y a des cas comme ça, côté fille qui vient à 5 mois, il est très, très, très malade. Il n'est pas capable de ressusciter le bien parce qu'il n'est tellement pas capable d'avoir l'oxygène qui a dans le poumon. S'il y a 5 mois de grossesse, et que à cause de grossesse, il y a des médicaments pas qu'à recevoir, ou bien que nous pas qu'à une machine qui pourrait respirer et pas faire travailler bien, il est leur obligé de dire par an yo, que c'est la fille pas même consciente, obligé de dire par an yo, famini, que nous avons obligé de retirer bébé à, parce que nous pas qu'à ressusciter maman, nous pas qu'à perdre maman pour un bébé. Alors c'est code éthique, nous dit peut-être pas un code religieux qui est acceptable. Ok. Mais nous avons peut-être tourné leur pari sur. Nous parlons de ça qui a passé le monde des symptômes que l'hôpital qui s'en rapproche de voir pour faire que bébé a mieux préparé pour vivre à l'extérieur pendant que tout petit. Ça, c'est un choix. Mais il y a une autre question peut-être que vous êtes attaché à ce thème maintenant. Qui s'en monde qui a fait pour identifier? Vous pouvez venir pour empêcher que ça jamais arrive encore. Est-ce qu'il y a certaines bagages, des mesures de prévention? Il y a certaines mesures et par contre, vous voulez que vous me touchez sur ça? Bien sûr. Donc, une fois qu'on monte à un petit bébé prématuré, chance pour le lancer encore, pour le faire l'autre prématuré, beaucoup plus élevée que si c'était la première fois qu'il était enceinte. Donc, vous avez parlé de « Ah ouais, docteur, tout de suite, aussitôt pour penser qu'on est enceinte. » C'est vraiment pile raison pour ça. C'est parce que c'est important pour moi capable de prendre soin de vous enceinte. Pour compte tout petit détail, ça y aurait l'obstetrical history. Tout petit détail de enceinte. Quand tu es enceinte 2 mois, quand tu fais une fausse couche. Quand tu es enceinte 4 mois en Haïti, on ne pas connu, on pas sûr, tu perds du petit monde. Que c'était en grossesse, quand tu es volontairement débarrassé de lit. C'est important. Pour nous compter tout petit détail, est-ce que c'est ton dilatation, est-ce que c'est des médicaments? Parce que ça compte en effet sur la grossesse suivante. Bien sûr. Mais, donc c'est ça, l'important. L'important pour dire tout, pour faire des détails, essayer de songer si on est capable. Alors, médecin, on a tout à fait pour poser une question sur ça. Donc, une prochaine fois, une fois qu'on monte un bébé maturé, c'est pour considérer la tétri à risque élevé. Donc, l'enceinte, comme on dit, la parole au docteur, et puis. Ça, qui est disponible pour nous? Il y a 3 bagailles. Il y a un bagaille, le progestérone. C'est un hormone naturel que nous produit l'un ou enceinte. Okay? Que placenta produit en très grande quantité dans le monde qui est enceinte normalement. Mais il paraît que il y a de ça déjà, mon Dieu, près de 20 ans. Au moins, non, à peu près une quinzaine d'années. Que il y a des savants, il y a des gens qui font recherche, qui voient que. Le ou prend on fit tes fonds bébé prématuré, on prématuré spontané, bon prématuré qui était à cause que tu fais prétend si bien que tu as un problème médical que le docteur dit c'est ma pas couché même sous pour arriver, c'est s'il te gagne douleur avant le lui-même. Mais s'il vient dans cet encore que recevoir une injection progestérone à partir de 3e 4e mois de grossesse et le fait que le recevoir médicament ça a diminué chance pour fonds bébé prématuré ou bien
si la fermeture, la ferme un petit peu plus tard, beaucoup plus proche de date d'accouchement. Par contre, c'est bien en clair. Donc, une fois qu'on monte pour un bébé maturé, vous considérez être à risque élevé. Là, on s'est encore fait pour mentionner ça et pour demander au docteur, « Attendez, on va avoir les progestérone sur injection, est-ce que vous qualifiez pour lui? Okay. » Ça, c'est « yon ». Dans l'autre forme de progestérone, tout, c'est les suppositoires, qui sont moins douloureux naturellement que l'injection, que qui est disponible pour les gens qui pas fait un bébé prématuré, mais sur le quatrième mois, que y a que petit bébé à trop bas. Okay. Ou bien que la colmatrice est trop coûte. Et nous mesurons la colmatrice avec sonogramme. Donc, c'est toujours curieux, pas recaler, il faut faire ci, ou même qu'on quitte soit le faire, qui médicament le bas, c'est pour toujours poser des questions, essayer de comprendre. Parce que nous-mêmes ici, c'est une obligation pour nous expliquer par si on s'est passé. Et nous voulons pour le parler, si on a parlé avec un patient, un client, pour le comprendre, qui c'est pour le prendre en charge de santé et tout. Donc nous avons besoin de honte, c'est pour toujours demander, poser des questions. Donc, si la colmatrice en coûte, dans le quatrième mois, progestérone ça, il faut faire un suppositoire vaginal et son intervention qui l'a tout et qui aide à prolonger en grossesse. Bon, l'autre bagaille, il y aurait les cerclages, son sorte de suture que un médecin capable d'appliquer sous colmatrice pour faire mener. Mais c'est aussi le sens, ça c'est pour les gens qui ou bien rejoignent que colmatrice très coûte ou bien un monde qui était fait un bébé prématuré. Donc, son bagage, une fois que tu fais un peu maturé, prochaine fois enceinte, médecin, il y a pour surveiller la colmatrice okay. avec sonographie. Et puis, après, ouais, si la colmatrice commence à raccourcir, il y a offrir ou bien suppositoire ou bien cerclage, qui sont une petite opération qui n'est pas une petite opération minime, c'est-à-dire, okay. mais qui aide dans le monde à aller à terme avec une prochaine grossesse que la porter. Bon. Docteur Makala, nous faisons bon râler sur ce sujet et nous croyons que, puisque nous n'avons pas d'interaction avec le public, là, il ne va pas poser une question pour le moment. Mais est-ce qu'il y a un moyen, si que nous avons une question, peut-être à l'avenir, nous capable peut-être soit envoyer un email ou bien nous capable les cliniques ou les offices pour peut-être jouer beaucoup plus d'informations. Ouais, mais après, naturellement, c'est là dans Brooklyn, nous sommes capables d'utiliser email de l'hôpital, c'est bon, c'est mieux, parce que c'est lui que je checke assez souvent. Peut-être qu'on peut écrire sous screen, là, peut-être, et docteur plutôt. Mais, bon, eh bien, dans ce cas, SMCCALLLA at mymoneydismed.org. Si nous avons accès à Internet, nous regardons My Moneydies Hospital, MAIMONIDES, et puis nous allons chercher OBGYN, nous avons tous nos médecins, nous avons nos noms, et puis faciliter la communication à plat. Bien sûr, okay. bien sûr. Et tout le monde dit peut-être est capable de poser une question, mettez-nous à l'aise pour nous capables aller chez le Dr. Makala sur Dia. Et mettez-nous sur Google, là, nous avons besoin de coordonnées et nous sommes capables de vous poser des questions. Docteur Makala, c'est un plaisir pour te gagner avec nous. Et dans notre communauté, nous vous disons merci, puisque la santé est son bagage, nous ne pouvons pas jouer avec lui. Et connaissance, c'est richesse. Et connaissance, c'est quoi partager sur les ondes de cette télévision. Je pense qu'il est assez important et nous croyons que son bagage est très valable. Et nous anticipons bien d'autres segments encore côté que. Si quelqu'un peut être qui vous une question, tout n'a profité pour une question dans le prochain segment. Et c'est un plaisir de vous avec le docteur Makala et nous souhaiter que très prochainement nous capable retourner encore des télévisions pour capable peut-être partager l'autre sujet que nous connaissons qui concerne la communauté par nous. Merci.